Mesdames et messieurs, une autre fois, un gros bonsoir. Nous sentons contents pour nous capables de continuer avec séance d'entraînement. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les parties côté pour nous enseigner nous comment pour nous enregistrer différents types de véhicules que nous gagnons dans l'entreprise. Pour cela, nous rentrons dans le logiciel. Là. Nous allons aller dans le menu éditer. Hein. Option véhicule. Donc dans la fenêtre ça nous gagnons même barre d'outils que nous gagnons nous jouons dans l'autre écran yo. Ok, tout bouton ça a toujours fait le même travail là. Ok, donc pour cela, pour enregistrer véhicule yo, donc nous prenons chaque véhicule que nous gagnons, nous supposons gagner une façon que nous identifions l'entreprise là. Par exemple là, F006 Mac véhicule là. Par exemple, nous gagnons quelques Mac là, nous pas gagner tout. Nous pouvons choisir Zouzou. Numéro plaque là. Ok, ça son plaque, nous choisissons comme ça. Type de véhicule là. Par exemple, nous gagnons minibus, autobus, camionnette, camion, tout ça. Dans ce sens, nous pouvons choisir la autobus. Ok, une autre option qui est réellement important, c'est la quantité de passagers que auto et véhicule en prend, qui est très très important que nous besoin pour nous capable de travailler dans l'autre option que nous gagnons. Pas oublier prendre donner ça. Ok, et nous mettons 45. Ok, après ça, nous pouvons choisir chauffeur machine. Non? Par exemple, là, nous gagnons dans la dernière option, nous gagnons le dernier conducteur que nous avons créé, qui c'est Julien Jean. Ok? Choisis-le. Là, nous faisons gagner toutes les données, n'est-ce pas? La dernière chose à faire, c'est cliquer sur le bouton enregistrer que nous gagnons là. Bouton qui gagne, icône et disquette là sous l'air. Donc, et nous jouons un message de satisfaction d'enregistrement de transaction hein, qui dit non, transaction réalisée correctement. On fait clic sur OK. Bien, nous finissons là. OK. Si par exemple, nous avons le ouais, et véhicule ça que nous finissons créer là, tout simplement, comme c'est le dernier véhicule là, nous fait clic sur le bouton ça qui c'est le dernier registre là. OK. Là, il montre nous toutes les données que nous faisons enregistrer comme ça. Donc, c'est tout. Et c'est façon ça pour nous capables d'enregistrer tout véhicule que nous gagnons dans l'entreprise. Donc, merci et à la prochaine. Okay.